écoutez, je vous le dis. Fraise, abricot, framboise, vanille. Jeanne Lecomte, 70 years old, is retired and self-employed. Il y a de la tarte au citron, c'est pas ça, je vais les mettre dans le fond. Twice a week, she helps a woman with her grocery shopping and her paperwork. Given that she is partially blind and can no longer carry heavy items, Jeanne's help is essential. The 70-year-old assists two older women some 20 hours per week. This former manager of a temp agency almost never experienced unemployment, yet she still struggles to make ends meet 10 years after retiring. La retraite est de, avec les complémentaires, de 1718 euros. Et mes charges fixes sont de 1742. Et donc, je suis à moins 24 euros, je répète. Donc, je démarre, c'est même pas à zéro, je démarre à moins 24 et il faut donc que je trouve de l'argent pour payer tout le reste, c'est-à-dire manger, aller chez le médecin, la pharmacie, enfin tout ce que vous dépensez, vous et moi, tout ce qu'on dépense tous dans la vie. She earns 1,000 euros thanks to her extra work. It also allows her to break the cycle of loneliness. Quelqu'un d'intelligent m'a dit l'autre jour, la mamie où je vais tous les matins, ça fait quand même un petit moment, elle a autant besoin de toi que toi tu as besoin d'elle. Parce que moi, elle comble un vide, moi je suis toute seule. Hein. Ici, je suis à Paris toute seule. Bon, j'ai des relations, des copines, des copains, mais des vrais amis, des gens qui viennent en sautant la porte en disant « j'arrive, je peux venir », bon, ça n'existe pas. Like Jeanne, 3.5% of retirees in France have a job on top of their monthly pension. Daniel Sriou also chose to keep on working. He started in the automobile industry at the age of 17. He could have retired 15 years ago at 57. Ça va, Fabrice? Ça va et toi? Ouais. C'était ici. C'était. C'était là. Instead, he chose to start a new job at this factory until he turned 70. He's been retired for 2 years now, but admits he had a hard time hanging up his tools. Ça n'arrivait pas à me décider. Voilà, c'était sûr. Qu'est-ce que je vais devenir? Je trouve que quand on a passé beaucoup d'années au travail, c'est dur. Non, puis ça me plaisait bien, les tester, on démonte, on voit ce qui ne marche pas, et puis remettre en route, le remonter, réessayer. Non, c'était intéressant. Although the pay was not as good as his other jobs, he was still able to increase his pension by 5% each additional year. But that's not enough to convince his former colleagues to one day do the same. They don't want to keep working past their retirement age. Est-ce que je vais avoir le temps de profiter de ma retraite après? Là, le corps, il va en souffrir. Voilà. C'est assez physique ici, les conditions de travail sont complètement compliquées. Le bruit, les vibrations, le chaud, le froid. J'ai 40 ans, après 20, plus de 20 ans d'industrie, j'ai déjà des douleurs musculaires. J'habite à l'aéroport d'Orly. Je travaille à Argenteuil. C'est 1h45 le matin, 1h45 le soir. Daniel trained several mechanics, a blessing for his former boss who has a hard time finding employees. His company is the last one in France that still makes these parts. On a les mêmes difficultés que beaucoup de métiers de la mécanique et de la technique, à savoir il y a une véritable raréfaction des compétences, mais ça c'est pas depuis la semaine dernière, c'est la conséquence d'une désaffection pour tous les métiers industriels. Je pense que dans les 10 ans à venir, nous courons de grands dangers si nous n'arrivons pas à remplacer ces postes. Soit il y aura des carences, soit ce seront des pays qui auront ces savoir-faire et nous allons être dépendants de ces pays. But when it comes to hiring older people, not all companies play along. 4 years ago, Catherine Adida Rosenberg was laid off. Since then, she has never stopped looking for job offers, but no luck so far. C'est très fatigant parce que on sait qu'on a les compétences pour rentrer sur un emploi comme ça. On sait que quand on envoie un CV à ce genre d'offres, animateur, référent éducatif, centre social, lycée, collège, on n'aura pas de réponse du tout. Mais pas du tout de réponse. At just 52 years old, this former head of communication says she's a victim of discrimination. Les portes se sont fermées à 42 ans. Quand je ne correspondais plus, j'étais dans un milieu d'esthétique et je ne correspondais plus au milieu en fait. On ne vous prend plus en formation à partir d'un certain âge. Vous postulez, vous vous inscrivez, vous faites des formulaires. Moi, je me suis inscrite de partout, j'attends les réponses. Mais on ne vous prend plus. Et même si vous dites c'est une reconversion à 52 ans, vous voulez faire une reconversion? Oui, je veux faire une reconversion à 52 ans.
Like Catherine, 58% of unemployed over the age of 50 have been without a job for more than a year. That's twice as many as among younger job hunters. Her unemployment benefits will soon run out, and she is unable to pay contributions to her future pension. In the absence of a job or training course, Catherine is now counting on this free workshop to perfect her digital embroidery skills and start her own brand. After a long and physically taxing career, Daniel is now able to spend mealtimes with his wife. She stopped working 12 years ago due to health issues. Now that her husband is retired, the couple has had to learn how to live together again. C'est pas évident de remettre quelque chose en place à deux. Parce que lui il a ses activités que je ne peux pas faire avec lui. Et puis après, faut arriver à ce que nos activités correspondent. Today, Daniel dedicates much of his time to his passion, dancing. J'ai mon père qui a 80... Quel âge il a mon père? 96? 96 ans et il bouge, hein. Il conduit. Donc j'ai peut-être l'espoir d'aller, voilà. Et moi aussi, je craignais de ne plus pouvoir bouger avec toi. C'est ce que je crains depuis des années aussi. Although Daniel is still in good health, in France, a labor worker's life expectancy is 7 years lower than that of an executive.